Esther. Mon territoire foisonne de belles énergies et j'ai créé Esperluette pour vous inspirer et vous donner envie de vous lancer à votre tour. Une des clés pour avancer, c'est de se sentir bien à l'intérieur de soi. C'est pourquoi j'ai proposé à Myriam Mendy, enseignante de Kundalini Yoga, d'enregistrer une fois par mois ses petites pauses méditation. Une bulle de bien-être de quelques minutes que vous pourrez vous offrir plusieurs fois dans le mois selon vos envies. Bonne écoute! Le brouhaha de notre vie quotidienne nous pousse à l'extérieur de notre corps. Les nouvelles technologies, notre travail, nos activités, les informations qui nous parviennent, tout sollicite notre intellect et nous pousse encore et encore à l'extérieur de nous-mêmes. Nous déjeunons en lisant nos mails, nous faisons du sport en regardant nos textos, nous cuisinons devant notre télé. Nous ne sommes pas réellement à ce que nous faisons. Si vous vous intéressez à la méditation, c'est qu'inconsciemment, ou consciemment, vous êtes déjà en mouvement. Un changement est en marche. L'intériorité est une expérience personnelle, et c'est bien à la rencontre de votre intériorité que la méditation vous propose d'aller. Si vous cultivez votre intériorité, alors vous êtes au volant de votre véhicule intérieur, et vous mettez vos habitudes mentales et votre dialogue à la bonne vitesse, celle qui vous permet d'avancer dans votre vie, en toute conscience, à la juste distance avec les événements, les personnes et vos émotions. Avec ce podcast, il n'y a rien de précis à rechercher, aucun but à atteindre, si ce n'est être à ce que vous faites, ici et maintenant. C'est d'une simplicité déconcertante, et pourtant, vous allez vous rendre compte combien c'est compliqué pour chacun d'entre nous. Car notre mental est sans arrêt à refaire le passé, en réfléchissant, analysant ce qui nous est arrivé, ou bien il est dans le futur, à anticiper l'avenir en se projetant, planifiant, organisant. Il est tellement rarement au présent, ici et maintenant. Une fois par mois, je vais poster une méditation guidée sur un thème particulier. Elle sera accompagnée d'un texte et d'une photo, comme une invitation à réfléchir où vous en êtes avec votre intériorité. La méditation dure 7 minutes. Vous pouvez la pratiquer une fois ou plusieurs fois dans le mois. Cela dépend du temps que vous vous accordez. Et c'est le premier engagement que vous devez prendre envers vous-même, et le plus difficile sur ce chemin. Vous offrir du présent, s'accorder ce moment, et s'y tenir. Votre mental va vous trouver 1000 excuses et autant de stratagèmes pour faire passer d'autres priorités avant, car il préfère vous conduire à l'extérieur de vous-même. Mais si on réfléchit bien, qu'est-ce que 7 minutes par jour finalement? Essayez. Vous verrez que vous en retirerez une satisfaction grandissante. Et si en plus vous la pratiquez plusieurs fois dans le mois, voire tous les jours, l'expérience sera tout autre. Comme une ramification qui grandit, une synapse qui se développe. Vous engagerez un changement profond, même s'il vous paraît petit. Car vous allez changer d'angle. Plutôt que de l'extérieur, vous allez regarder de l'intérieur. Vous pouvez méditer n'importe où. Au bureau, chez vous, dans votre voiture à l'arrêt. Peu importe, dès l'instant où vous êtes dans un endroit calme et que vous stoppez complètement l'activité que vous faites. Vous pouvez pratiquer assis en tailleur sur un coussin ou assis sur une chaise. Dans ce cas, vos jambes doivent être décroisées, les pieds reposant bien à plat sur le sol. Vous devez être confortable dans vos vêtements, ils ne doivent pas vous serrer. La méditation dure 7 minutes. Vous n'avez qu'à fermer les yeux et vous laisser guider. Alors vous embarquez ? Rendez-vous en terre intérieure? La méditation d'aujourd'hui s'appelle La Montagne, inspirée d'une méditation de pleine conscience de Jon Kabat-Zinn. Votre dos est bien droit, les mains posées sur vos genoux. Fermez vos yeux. Étirez votre colonne vertébrale, comme un fil qui vous relie entre terre et ciel. Votre bouche est fermée pendant toute la durée de la méditation. Vous respirerez uniquement par le nez. Relâchez votre ventre. Détendez vos épaules. Et commencez une respiration ample et profonde. Sentez votre base, vos appuis
Imaginez que vous formez un triangle avec vos jambes qui forment le socle, vos deux bras tendus les côtés et votre tête le sommet. Visualisez-vous dans cette posture totalement immobile. Vous êtes un triangle, parfaitement posé sur votre socle. Continuez à inspirer et expirer amplement. Puis vous allez visualiser une montagne. Cela peut être une montagne qui vous est familière ou une montagne que vous inventez. Observez sa base, bien large. Ses flancs qui montent vers le sommet. Ressentez combien le socle de la montagne puise dans les profondeurs de la terre. Observez la massivité de cette montagne. Puis de la même manière que vous vous êtes visualisé assis en triangle, visualisez-vous dans la montagne. Identifiez-vous à cette masse. Votre assise représente la base de cette montagne, vos bras formant les versants, et votre tête, le sommet. Vous êtes la montagne. Au-dessus de la montagne, le ciel est gris, les nuages s'amoncellent petit à petit sur le sommet, comme des pensées dans l'atmosphère, des soucis encombrants, des ruminations, des préoccupations négatives. La cime de la montagne est maintenant encombrée. Les versants s'assombrissent et il se met à pleuvoir. Il fait frais. L'eau ruisselle sur la terre. C'est l'automne. Le temps est maussade, triste, sans lumière. Et pourtant, sous cette pluie, sous ce plafond de nuages, la montagne n'a pas bougé. Elle est toujours là, profondément ancrée sur son socle, bien verticale. La montagne reste la montagne, malgré la météo des émotions. Inspirez profondément. Ressentez cet ancrage. Expirez doucement. Sentez votre verticalité. Puis vous visualisez le froid qui s'installe, le gel, le givre sur les arbres. Des nuages de neige enserrent le sommet. Une neige qui tombe à gros flocons et qui recouvre complètement le sol, les buissons, les arbres. Le vent se lève et il se met à souffler avec force. Cela siffle dans les oreilles, la tête est complètement prise dans ce blizzard. On n'aperçoit même plus les flancs de la montagne. C'est l'hiver. Le temps est froid, dur, inhospitalier. Difficile. Et pourtant, sous ce froid d'hiver, sous ce manteau de neige, la montagne n'a pas bougé. Elle est toujours là, profondément ancrée sur son socle, bien verticale. La montagne reste la montagne, malgré ce qui vous traverse. Inspirez profondément. Ressentez cette stabilité intérieure. Expirez doucement. Puis le ciel se dégage. On aperçoit à travers les nuages un rayon de lumière et un bout de ciel bleu. Les nuages se font petit à petit plus rares et l'on voit réapparaître la cime. Le soleil réchauffe les températures et la neige commence à fondre. Elle se transforme en de petits ruisseaux qui glissent le long des pentes. On découvre les premières fleurs et les premiers bourgeons sur les arbres. On entend les oiseaux chanter. C'est le printemps. Le temps est plein de promesses, de possibles, d'énergie, de renouveau. La montagne pourtant n'a pas bougé. Elle est toujours la même, bien ancrée dans son socle, un roc, posé. Le sommet pointé vers le ciel. La montagne reste la montagne, quels que soient les éléments extérieurs qui changent. Inspirez profondément. Ressentez cette force. Expirez doucement. Le soleil est maintenant haut dans le ciel et les alpages se recouvrent de fleurs et d'herbes hautes. On entend les marmottes qui sifflent au loin
et les bourdonnements des insectes qui butinent. Les températures sont chaudes et la montagne est éclatante de lumière. Aucun nuage ne vient perturber cette quiétude. C'est l'été. Le temps est plein de lumière, de calme et de petits bonheurs. La montagne est toujours la même. Elle n'a pas bougé. Quelles que soient les saisons des émotions, quels que soient les aléas et les pensées qui s'amoncellent dans notre tête, au fond, tout au fond, nous devons rester présents, ancrés sur notre base. Car les nuages ne sont que des nuages. La pluie, la neige, ne modifient pas notre structure. Elle la met à l'épreuve, jusqu'à des temps meilleurs. Connectez-vous à ce que vous êtes au plus profond de vous. Ressentez votre solidité, votre stabilité, votre verticalité. Puis au moment où vous le sentirez, vous pourrez ouvrir vos yeux. Dans les prochains jours, prenez conscience de la nature changeante de la vie et cultivez votre stabilité intérieure avec détermination et en conscience. Je vous remercie d'avoir pris du temps pour vous et je vous dis à dans un mois pour une prochaine méditation.